Donc entre le 3 et le 5 octobre se tiendra cette année la 6e édition de l'Open World Forum. Cette année, un peu une grande nouveauté de l'année, c'est à Montrouge, donc vraiment à proximité de Paris, donc proximité du métro. Ça va être comme tous les ans la grande fête de l'open source, donc à la fois un moment d'émulation intellectuelle, de débat, mais aussi d'exposer les productions de l'année en matière d'open source. Et cette année, il y aura beaucoup de choses très intéressantes à montrer, en particulier s'agissant de l'action de la fonderie de la région Île-de-France. Cette année, comme tous les ans, on essaie de préparer quelque chose. Et donc cette année, à l'occasion de cette 6e édition, on montrera la première déclinaison strictement 100% française d'un Arduino pour l'éducation. Donc Arduino, c'est un circuit électronique qui permet de fabriquer des objets interactifs. Et donc l'idée, c'est sur un mode open, collaboratif, renseigné, donc très, en définitive, très open world forum, de pouvoir former et sensibiliser des cohortes ou des générations entières d'élèves, donc dans les collèges et dans les lycées, à la fois à l'électronique, à la programmation, à l'innovation aussi, puisqu'on peut fabriquer toutes sortes d'objets. Et donc cette année, on est très très heureux de s'inscrire dans une continuité des éditions précédentes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la réflexion, puis il y a du faire, il y a des objets, il y a des projets, il y a des choses qui s'adressent de plus en plus au grand public. Et donc après les clés USB, après l'environnement de travail en open source, donc le plus gros environnement de travail français, strictement open source, cette année on est très content de s'adresser aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, en mettant à leur disposition un produit, un objet qui est à la fois connecté, open, et qui facilitera le travail collaboratif, l'innovation. Donc on est vraiment très très content. Il faut que vous veniez très très nombreux à cette 6e édition. C'est un moment de concentration de tout ce qui se fait de mieux et de plus intéressant en matière d'open source. Et cette année, donc, ce sera à Montrouge.